Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Bonjour aussi à vous, chers futurs parents qui me regardez. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et dans cette capsule, je voudrais vous encourager à inculquer à vos enfants le goût de la lecture. Pourquoi est-ce que c'est si important d'inculquer à ses enfants le goût de la lecture ? Eh bien parce que la lecture a d'énormes bénéfices pour vos enfants. La lecture développe le vocabulaire, enrichit le langage de vos enfants, elle développe l'imagination, la créativité de vos enfants, elle améliore la capacité de concentration de vos enfants. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent d'avoir des enfants distraits. La télévision, elle appauvrit la capacité de concentration, mais par contre la lecture, elle développe bien cette capacité de concentration. La lecture aussi développe la capacité de réflexion et d'analyse. Combien d'adultes aujourd'hui ont du mal à défendre leurs idées, à négocier, à convaincre, à exprimer leurs émotions? La lecture favorise l'auto-apprentissage, elle permet de développer les qualités rédactionnelles de vos enfants, elle enrichit la culture générale. Si vous désirez avoir des enfants cultivés, qui ont de très bonnes capacités de communication, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, encouragez-les à lire. Alors, à partir de quel âge doit-on ou peut-on commencer? Moi, je commence dès le berceau. Dès le berceau, vous pouvez acheter des livres de bain, c'est des livres en plastique. Vous pouvez acheter des livres qui vont permettre un éveil sensoriel de vos enfants. Ils vont s'habituer à toucher plusieurs types de surfaces, des surfaces rugueuses, des surfaces lisses, soyeuses, peu importe. Vous pouvez aussi acheter des livres rigides, voilà. Donc vous commencez avec votre bébé, pendant qu'il ne parle même pas encore, vous feuilletez les pages, vous leur racontez, vous donnez par exemple ce livre qui porte sur les animaux, vous donnez le nom des animaux. Ça, c'est un lion. Le lion, il fait... Vous voyez, ça doit être amusant avec vos enfants. Et si vos enfants sont pressés, qu'ils tournent les pages rapidement, ils ne vous écoutent pas, ils font ça, c'est tout à fait normal. C'est de leur âge et ça prouve qu'ils apprécient le moment. Vos enfants seront tellement curieux... Vont regarder les livres, s'ils sont bébés, ils voudront les goûter, voir aussi quel goût ça a. Ils voudront peut-être déchirer pour voir quel bruit ça a. Ne vous offusquez pas, ne les tapez pas, ne les grondez pas. C'est vraiment, vraiment la preuve qu'ils sont appréciés. Et quand moi je vois un livre comme ça, ça veut dire que c'est un livre qui a été bien apprécié. Donc, un enfant, c'est pas un adulte. Donc, si votre enfant de moins de 2 ans déchire ses livres, déjà préparez-vous psychologiquement, ça va forcément arriver. Et c'est une très bonne chose, ça veut dire qu'il apprécie le livre que vous lui avez offert. Donc s'il déchire ses livres, ne le grondez pas, ne le punissez pas, c'est pas du tout une bonne idée. Comment, de façon très pratique, inculquer le goût de la lecture à vos enfants? Je commencerai par vous dire que vous devez vous-même lire. Vous êtes les plus grandes stars de vos enfants. S'ils vous voient lire très souvent, ils se diront « Ah, la lecture, c'est quelque chose de bien parce que papa et maman lisent souvent ». Ils auront envie de vous ressembler, donc ils seront naturellement attirés vers les livres. Donc, lisez vous-même aussi souvent que possible devant vos enfants. Quand vos enfants commencent à savoir lire en classe de CP, achetez des livres simples, pas trop compliqués, et faites-les lire et soyez à côté, toujours à côté pour corriger, pour leur montrer le bon mot. Soyez patient, s'ils butent sur certains mots, c'est pas bien grave. C'est la courbe d'apprentissage. Et soyez à côté et lisez avec eux, encouragez-les. Emmenez aussi vos enfants de temps en temps dans une librairie et demandez-leur de choisir un livre qu'ils aimeraient bien. Ramenez-le à la maison et lisez avec eux. L'instant du coucher le soir est un moment très privilégié pour lire avec ses enfants. Moi, je l'utilise tout particulièrement pour développer leur imagination, leur créativité, mais aussi pour leur enseigner des valeurs. Et en la matière, j'aime bien leur lire des histoires de la Bible qui sont riches de valeurs. Que ce soit le courage, que ce soit l'amour, que ce soit la bonté, la générosité. Il y a plein d'histoires dans la Bible qui en parlent. Et j'aime bien profiter de ces instants pour lire avec eux et prier avec eux. Vous pouvez acheter des livres pour les intéresser, les éveiller sur la nature. Des livres qui parlent de plantes, de fleurs, de planètes, de la mer, de montagnes, etc. Vous allez voir, vous allez être surpris par le flot de questions que vous allez recevoir. Et vous n'aurez pas toujours les réponses, hein, les bonnes réponses. Ça va vous challenger, on va vous demander « Maman, est-ce que la baleine est un mammifère ?» Attention toutefois aux livres que vous choisissez pour vos enfants. Assurez-vous que ces livres communiquent vos valeurs.
attention aux grossièretés, aux monstres. Il y a des images qui font vraiment très peur, la sorcellerie, tout ce genre de choses. Et si vos enfants font des cauchemars la nuit, ça vient de quelque part. Donc il faut vraiment faire attention, vous-même lire le livre en entier pour vous assurer qu'il communique bien vos valeurs et qu'il n'introduit pas chez votre enfant des semences qui vont produire des cauchemars ou des grossièretés demain. Pour les anniversaires, sachez qu'un livre, c'est aussi un cadeau. Quand chaque fois on offre un jouet à nos enfants, on envoie quelque part un message qui lui dit « Un jouet, c'est beaucoup plus intéressant qu'un livre et ça a plus de valeur qu'un livre. » Alors qu'un livre, c'est aussi un cadeau. Donc, n'hésitez pas à acheter au moins un livre. Si vous achetez trois cadeaux pour vos enfants à Noël ou à leurs anniversaires ou à vos neveux, n'hésitez pas à rajouter un livre à l'intérieur. Parce que pour lui, un livre, c'est aussi un cadeau. Enfin, si votre enfant vous demande de lire 10 fois la même histoire qu'il apprécie, dont il connaît absolument le texte du début à la fin, eh bien, n'hésitez pas à le faire tant que ça lui procure beaucoup de plaisir. J'ai un challenge pour vous. Commencez dès ce soir, avant de coucher votre enfant. Bon, si vous n'avez pas déjà de livre, en rentrant du travail, faites un détour à la librairie, achetez-vous un livre et commencez dès ce soir à lire avec vos enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous encourage donc à inculquer à vos enfants le goût de la lecture. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour d'autres capsules.